demander encore une chose. Est-ce que tu peux acclamer pour la vie de l'homme de Dieu ce matin? Acclame pour la vie de l'homme de Dieu. Tu peux pas t'asseoir et acclamer pour la vie de l'homme de Dieu. Tiens, tu as debout et tu as acclamé pour la vie de l'homme de Dieu. Mais ce qui est primordial dans la vie d'un chrétien. Et nous venons à l'église, frère. Nous disons que nous adorons Dieu, c'est vrai. Mais nous sommes dans ce monde. Dans ce monde de Dieu, avec plein de systèmes de Dieu. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. Étant enfant de Dieu, qu'est-ce qui prime dans ta vie, Dieu de Dieu? Quel est ton objectif premier lorsque tu te lèves le matin? Quelle est ta première préoccupation, Dieu de Dieu? Parce que souvent nous avons des préoccupations qui sont contraires à la parole de Dieu, qui sont contraires à la pensée de Dieu. Et quand c'est comme ça, on se lamente, on se plaint qu'on ne voit rien. On se plaint que rien ne va, que rien ne marche. Mais qu'est-ce qui est primordial pour toi, Père de Dieu? Quelle est ta première position dans ta vie? Quels sont les thèmes qui priment dans ta vie, Père de Dieu? Tu mets Dieu au devant de tout ce que tu fais. La Bible va dire dans le livre de Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Il va dire ceci.
Ésaïe 48, tu vas lire ceci. Ésaïe 48, verset 12. Il dit, écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier. Il dit, c'est lui qui est le premier. Dieu parlait à Jacob pour dire ainsi à Jacob. Mais avant de faire toute chose, la première personne que tu dois invoquer, c'est moi. Aujourd'hui, même de Dieu, nous formons des projets. Nous avons de belles idées, mais malheureusement, nos projets n'aboutissent pas. Parce que nous n'avons pas mis celui qui est en première position, Père de Dieu, à la place qu'il faut. C'est ce que tu désires avoir. Aucun homme ne peut te le donner si ce n'est pas Dieu. Et même si un homme te le donne, c'est Dieu seul qui peut éclairer ton cœur. Tu es pressé pour te marier, mais tu ne demandes pas à celui qui donne le mari. Tu es pressé pour voyager, mais tu ne demandes pas la vie de celui qui permet le voyage. Est-ce que Dieu t'a appelé à voyager? Non. Peut-être que non. Est-ce que Dieu t'a appelé à te marier? Peut-être que non. Parce que tout n'est pas appelé à se marier. Il faut qu'on se le dise. Si l'enlèvement aujourd'hui, est-ce que tous sont mariés? Non. On n'est pas tous appelés à voyager, peut-être Dieu. C'est quand on voyage pendant 20 ans, 30 ans, et puis on ne voit rien. Quand on voyage seulement que 6 mois, en même temps le bonheur est fou. Mais pourquoi ça a été ainsi? Quand on perd la vie le jour de leur mariage. Quand en pleine nuit de noces de Dieu, ils ont perdu la vie. Mais pourquoi ça a été ainsi? Qui n'est pas appelé à se marier. Et on dit le premier souci des chrétiens, quand ils viennent à l'église, quand les hommes de Dieu commencent à prophétiser, quand on dit mention de mariage, tout le monde tombe en transe. Quand on dit mention de voyage, quand même c'est gâteau, hein. Il n'a pas de visa, mais il te voit déjà en panne. Est-ce que tu as mis Dieu au devant de tes projets? Peut-être que ce matin, je vais t'appeler à comprendre quelque chose. Ce que tu dois savoir, c'est que volonté de Dieu. Même le diable ne peut pas atteindre à ta vie si Dieu ne lui a pas permis cela. Le diable ne peut rien te faire aussi longtemps que Dieu va refuser qu'il atteigne ta vie. Il ne peut pas atteindre à tes projets si le terrain n'a pas voulu. Elle est approchée à Dieu. Tu ne peux pas te marier si Dieu n'a pas décidé. Si tu fonces, tu vas mourir dedans. Tu ne peux pas voyager si Dieu n'a pas décidé. Donc arrête de demander la vie des gens. Parce que tu vas faire comme ça. Allô papa, le message est marié. Qu'est-ce que je fais?
Et papa, tu as peur. Dieu t'a dit quoi? Tu vois, on est tellement prêt de se marier qu'on est prêt pour se jeter dans les bras du premier venu. Tu vois, lorsque l'âge avance, si tu cas, lorsque l'âge avance, dans la rue, c'est une catastrophe. C'est l'objectif à côté de ça là. Mais est-ce que Dieu t'a appelé à porter alliance? C'est que tu dois comprendre que Dieu. C'est que celui qui met Dieu au devant de tout ne suis jamais. Si tu mets Dieu en première position dans tes projets, dans tes activités, le ennemi peut te combattre, mais tu auras toujours la victoire. Combattu. Le contraire de l'homme que tu es beaucoup avec Dieu, que tu es beaucoup combattu. Parce que comme dans un système dans ce monde, tous ceux qui sont avec Dieu sont combattus, mais ceux qui sont avec Satan ne sont pas combattus. Mais cela ne doit pas t'empêcher de mettre Dieu en premier. Pourquoi peut-on te dépasser? Une parenthèse, de la tribu de Dieu, on dit quoi? On dit Dieu, il est omniscient. Il est omnipotent. Et il est omniprésent. Dieu est omniscient, pourquoi? Parce qu'il sait toutes choses. Donc celui qui sait toutes choses là, lorsque tu nous confies une situation, il ne peut pas échouer. Quelqu'un qui est le tout puissant de Dieu, dis-moi, qu'est-ce que peut le résister? Rien. On dit qu'il est le tout puissant. Ça veut dire qu'aucune force ne peut le résister. Donc quand tu nous confies tes projets, il est capable de te donner la victoire. Il est omniprésent, Père de Dieu. L'Éternel voit toutes choses. L'Éternel est présent partout. Lorsque tu viens voyager, que tu lui confies ton voyage, lui qui voit ce qui t'attend là-bas, il va prendre soin de toi, Père de Dieu. Il va te précéder, il va placer tout cela à ta faveur. Donc, si tu as pour habitude de formuler des projets sans demander l'avis de Dieu, sans mettre Dieu en première position, tu vas commencer à le faire. Aussi longtemps que tu vas mettre Dieu en première position, Père de Dieu, tu ne jureras jamais. La victoire peut tarder, mais tu ne jureras jamais. Parce que tu l'as mis en première position, Père de Dieu. Position, Père de Dieu, nous allons parler de la parole. La Bible dit dans le livre de Jean 1, verset 1 à 5, avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Ici on parle de la parole de Dieu. Donc lorsque tu mets Dieu en première position, ce qui suit après Dieu, c'est la parole de Dieu.
Et puis tu ne obéis pas à sa parole. Parce que qui dit la parole dit Dieu. On voit Dieu dans sa parole. On attend Dieu dans sa parole, Père de Dieu. Dieu te démontre dans sa parole. On va encore lire Psaume 119, verset 105. Pour que tu puisses comprendre quelque chose. Psaume 119, verset 105. À mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lumière à mes pieds, est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. On parle de la parole de Dieu, de Dieu. C'est-à-dire que la parole de Dieu, de Dieu, a la possibilité de t'éclairer. À la possibilité de te conduire. La parole de Dieu, peuple de Dieu, nous prend la connaissance de Dieu. Donc celui qui lit continuellement sa Bible, la Bible de Dieu protège la connaissance et le savoir. Mais tu ne peux pas connaître le Dieu qui a pris des productions si tu ne maîtrises pas sa parole. Aujourd'hui, peuple de Dieu, nous sommes confrontés à plusieurs situations. Mais il est difficile pour nous de résoudre ces situations. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. Le chrétien aime louer Dieu souvent. Le chrétien aime venir à l'église. Mais il est difficile pour le chrétien de méditer la parole de Dieu. Mais il n'est pas difficile pour le chrétien, peuple de Dieu, de parcourir les réseaux sociaux. Il va lire tous les commentaires, toutes sortes de publications. Il sait ce qui se passe dans le pays. Il sait qui est sorti, qui est rentré. Il a le temps, peuple de Dieu, pour lire les articles. Mais il n'a pas le temps pour étudier la parole de Dieu. Il n'a pas le temps pour méditer la parole de Dieu. Ce que tu dois savoir, c'est que la connaissance de la parole de Dieu se définit à quatre points. Je ne peux pas dire à quatre niveaux, peuple de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens, peuple de Dieu, ils n'ont pas de poids devant les choses du monde. Ils n'arrivent pas à se défendre. J'ai vu des chrétiens renier Dieu, peuple de Dieu, dans les chaînes de télé. J'ai vu des chrétiens renier Dieu. Non, Dieu, non, Jésus n'est pas Dieu. Mais pourquoi tu le dis? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Mais tu ne peux pas avoir la connaissance de la parole de Dieu si tu ne médites pas la parole de Dieu. Tu ne peux pas aller loin dans ton parcours si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. La seule chose qui peut t'amener loin avec Dieu, c'est la connaissance de sa parole. Parce que pour prendre Dieu au mot, c'est quoi? C'est le travail de sa parole. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce que tu dis dans sa parole? Pourquoi savoir tout cela? C'est de méditer la parole de Dieu. Souvent nous sommes face à des situations. En pourtant, la solution se trouve dans sa parole. Mais comme on n'a pas la connaissance de la parole, il est difficile pour nous de résoudre ce problème. Et après on se plaint de les hommes de Dieu nous escroquent. Mais si toi tu avais la connaissance, tu pourrais régler ton problème. Père de Dieu,
comme je le disais, j'ai dit la connaissance de la parole était finie dans ta poème. On va prendre 1 Timothée 3, verset 16. En 1 Timothée 3, verset 16, on dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Alléluia. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Mais là, on parle précisément de la parole de Dieu, Dieu de Dieu. On dit la parole de Dieu est inspirée de Dieu. Premièrement, pour t'enseigner, pour te convaincre, pour te corriger et pour t'instruire dans la justice. Donc pour que tu puisses obéir à Dieu, c'est quoi? C'est la connaissance de la parole. Pour que tu puisses avoir la connaissance et la sagesse, la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, Père de Dieu, te permet de savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mais le premier niveau de la connaissance de la parole de Dieu, Père de Dieu, là on parle du lait. On sait tout de suite que le lait, Père de Dieu, c'est pour les nouveau-nés. Le lait, c'est pour les bébés. Chez les hommes ou chez les animaux, les premières nourritures de Dieu, ça s'appelle le lait. Je n'ai pas encore vu un bébé qui est né automatiquement, on lui donne du riz, mais du maïs, c'est fortement du lait. Donc tu vas prendre ta vie dans le livre de 1 Corinthiens 3, verset 2. La parole, il dit je vous ai donné du lait, non de la nourriture pollue. Quand vous ne pouvez la supporter et vous ne le pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Chrétiens, peu de Dieu, ce sont des personnes, peu de Dieu, malgré qu'ils sont dans la présence de Dieu, mais ils sont envieux, ils sont charnels, ils sont jaloux. C'est l'état, peu de Dieu, où Dieu nous appelle à connaître, à connaître le bien et le mal. Tu es encore jaloux de ton frère. Tu es encore envieux d'une personne. Il y a des personnes que tu salues. Il y a des personnes que tu ne salues pas. C'est que tu as le tas du lait. Parce que souvent on vient à l'église. Mais dans notre maison, il y a ceux avec qui on parle. Il y a ceux avec qui on ne parle pas. Il y a ceux avec qui on cause. Il y a ceux avec qui on ne cause pas. Il y a ceux qu'on salue. Et il y a ceux qu'on ne salue pas. Il y a la jalousie au milieu de nous. Il y a une catégorie de personnes que tu aimes. Mais il y a d'autres que tu n'aimes pas. Tu es encore bébé. Tu es encore enfant. Alors qu'en
vérité, tu as quelque chose comme ces personnes. Il y a des clans. Non, moi je suis à telle personne. Je ne suis pas à telle personne. Je marche à telle personne. Je ne marche pas à telle personne. Tu te dis chrétien. Ça, c'est l'état des bébés. Le lait maternel. On est bébé, c'est vrai. Mais nous sommes appelés à grandir, peu de Dieu. Nous sommes appelés à évoluer, peu de Dieu. Nous devons laisser l'état du lait, peu de Dieu. Et commencer à détruire la nourriture. La nourriture, peu de Dieu, c'est ce qui édifie notre âme. La nourriture nous permet de nourrir notre âme, Père de Dieu. Je ne parle pas de notre corps parce que je parle de la parole de Dieu. Pourquoi tu vas prendre dans le livre de Matthieu 4? Matthieu 4, verset 1. Attends. Matthieu 4, verset 1 à 4. Alors Jésus fut amené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'était approché, lui dit: si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne des pains. Jésus répondit, il est écrit: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu, Père de Dieu. Et bien, quand tu as ce niveau, Père de Dieu, rien ne peut te parler. Personne. Quand tu as ce niveau, Père de Dieu, l'homme de Dieu était à ce niveau, tous les pièges que le diable lui a tendus, il a eu la réponse qu'il fallait. Quand tu as ce niveau, Père de Dieu, pendant que l'homme de Dieu dort, même peu importe le mal, tu sais où rentrer pour le sortir. Tu as la parole qu'il faut, Père de Dieu, pour pouvoir te réconforter toi-même. Mais jusqu'à présent, tu as l'état du lait. Parce que tu n'arrives pas à te nourrir de la parole de Dieu. Tu n'arrives pas à t'édifier toi-même, à t'encourager toi-même. Tu crées encore pour ta vie. Quand tu dors et que l'homme t'attend, là même tu es paniqué. Mais lorsque tu fais la parole de Dieu, tu sais une chose. On t'attendra par un seul chemin, mais ils t'enfuiront par sept chemins différents. Mais lorsque tu as la réponse qu'il faut, peu importe ce que tu fais, tu n'es pas ébranlé. Mais tu ne peux pas avoir la réponse qu'il faut. Tu ne te nourris pas de la parole de Dieu. Dieu. Un homme de Dieu a dit ceci. Il dit: tu peux prier pendant 3 heures du temps. Il ne peut méditer pendant 30 minutes. Et la personne sera plus remplie que toi. Parce que lorsque tu médites, Père de Dieu, lorsque tu te nourris de la parole de Dieu, tu renforces la puissance de ton âme. Tu fais du bien à ton âme. Si ton âme est forte, tu ne peux plus de prier. Parce que le diable a peur de t'approcher. Mais qu'est-ce que tu nous donnes? C'est la parole. Notre esprit est nourri de la parole de Dieu. Souvent tu fais des mal de partout, Père de Dieu.
ce n'est pas normal. Parce qu'il est dit que par tes maîtres, tout je suis guéri. Donc la guérison comme on partage. Automatiquement, la guérison est obligée de s'attacher à ton âme. Mais si tu ne le connais pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu seras paniqué. Parce qu'en vérité, tu ne connais pas ton identité. Mais pourquoi tu ne connais pas ton identité? C'est parce que tu ne te nourris pas de la parole de Dieu. Thank you.
il est difficile pour toi d'atteindre ce niveau. Pourquoi? Parce que tu ne te nourris pas de la nourriture première. Tu vois mes frères ici dans le péché, dans le désordre. Mais tu ne sais pas par où entrer et par où sortir. Parce que tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. Tu vois la personne en train de souffrir. Mais qu'est-ce que tu dois dire à la personne pour le réconforter? Tu ne sais pas. Parce qu'il te manque la nourriture pour l'esprit de Dieu. Tu vois, tes soeurs, tes petits soeurs comme tes grandes soeurs. Ou bien tes petits frères comme tes grands frères. Ils magnifient de tes soeurs. Mais tu ne sais pas comment faire pour qu'ils puissent changer leur vie. C'est vrai, il est bon de prier pour eux. Mais est-ce que tu arrives à les convaincre au travers de la parole? Est-ce que tu es identifié lorsqu'ils te sentent mal? Lorsque tu ne vas pas chez eux, est-ce que tu arrives à les parler au travers de la parole? Quand tu vois la sœur, peuple de Dieu, être mal à l'aise, est-ce que tu arrives à lui donner la parole qu'il faut, l'enseignement qu'il faut? Tu n'arrives pas à le faire pourquoi? Parce qu'il te manque la nourriture solide. Plus grave, peut-être que toi-même, tu vis la même situation. Alors tu te dis que je n'ai pas encore trouvé une solution pour moi. Mais pas à pouvoir que j'ai la solution. Et t'as dit que bien que tu viens à l'église, mais vous êtes même chose. Tu ne peux pas lui parler comme ici toi. Il est difficile pour toi d'enseigner. Et déjà les personnes là qui vont évangéliser, quand les pauvres disent qu'elles sont deux questions, ils disent je viens, paf, ils disparaissent. Débat les musulmans et les chrétiens, tellement ça change sur les chrétiens. Il dit Jésus n'est pas Dieu. Il réduit sa foi chrétienne automatiquement. Tu vois, tellement que la vie n'est pas mal, peu de Dieu. C'est difficile pour lui à la maison, dans le quartier, qu'il a honte de dire qu'il est chrétien. Mais pourquoi c'est difficile pour toi? Quand il porte dans un endroit, il voit quelqu'un en train de mourir, il fait grand coup. Parce que tous les chrétiens le font les dimanches avec une grosse Bible. Donc il ne faut pas qu'on va l'appeler et puis il n'y a pas de solution. Donc il va faire grand coup. Toi, ton chrétien, là, c'est quoi? Tu es encore enfant. Mais là où on parle de calomnie, il est présent. Là où on parle de critique, il est présent. Il est présent. Pourquoi il est présent? Parce qu'il est toujours enfant. Mais lorsque tu te passes de Dieu ce niveau, là où on calomnie les pères, là où on calomnie les autres, tu t'éloignes de ce lieu-là. Parce que ça ne te ressemble pas. Tu n'es plus là pour critiquer, mais tu deviens maintenant une solution pour les autres. Pour les autres peuples de Dieu. Tu ne peux pas parler à ton homme ou bien à ta femme au travers de la parole pour qu'elle puisse te ressaisir. Parce que toi-même tu es enfant. Donc qu'est-ce que je dois lui dire? Il y a des versets qui font peur dans la Bible. Donc quand ton homme fait quelque chose, quand tu lui montres le verset, il a peur. Mais si tu ne connais pas, comment est-ce que tu vas écouter ce verset pour lui parler? Et puis il y a des gens aussi qui ont fini avec ça. Quand tu finis de parler, il dit donne-moi le verset. Tu es là maintenant, tu es bloqué maintenant. Il y a des gens qui ont fini avec ça. Frère, tu finis de parler, tu dis merci, parle la Bible, tu dis ça est où? Donc tu es là maintenant, tu es paniqué. Pas la connaissance de la parole de Dieu. Tu n'as pas peur de Dieu, la connaissance de la nourriture solide. Tu es encore enfant, bien que tu viennes à l'église.
enfant. Mais comme tu es encore enfant, tu n'arrives pas à discerner le bien et le mal. Si tu vois quelqu'un qui vient à l'église de Dieu, et malgré que la personne vit dans le péché, c'est que la personne est encore enfant. Tu peux avoir 20 ans de ministère et puis être enfant avec Dieu. On peut t'appeler patriarche, c'est un homme, mais devant Dieu, tu es enfant. Pourquoi? Parce qu'un enfant, il n'a pas la connaissance du bien et du mal. Il te dit patriarche, il te dit archibishop, mais il vit dans le péché. Mais pourquoi il vit dans le péché? C'est parce qu'il est encore enfant. Dieu vient qu'il est vieux dans la maison de Dieu. Parce que ce n'est pas tous les enfants de Dieu qui ont vieilli dans la maison des parents, qui sont des hommes ou des femmes. Tu peux être dans la maison de ton père et puis être toujours enfant. Parce qu'un homme ne vit pas dans la maison de son père, mais il va partir sa propre maison. Mais toi, tu vas jamais tout cela.
connaissance de Dieu, de la parole. Tu es au niveau du miel. Tu connais les secrets de Dieu. Pourquoi? Parce que tu marches comme la parole. Il y a des chrétiens, quand tu les vois marcher, quand tu les vois vivre, tu n'as plus envie de les demander si le Dieu de l'ouvrier est amour. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, ils sont tellement amour que tu comprends tout ça déjà. Donc, ils sont tellement humbles, peu de Dieu, que tu sais déjà que la Bible est dans cette humble. C'est pourquoi souvent, quand vous partez dans les entreprises, même les frères musulmans, ils préfèrent confier le poids où il y a l'argent à un chrétien qu'à les frères. Parce que quand ils te regardent, quand tu dis que tu es chrétien, un chrétien, peuple de Dieu, c'est celui qui marche dans la crainte de Dieu. Lorsque tu arrives à ce niveau du miel, la bénédiction de Dieu est obligée de s'attacher à toi. C'est pourquoi Dieu veut. La parole te fait grandir, fait de Dieu. La parole te rend fort, fait de Dieu. La parole te donne la victoire. David n'est pas Dieu Goliath parce qu'il était fort. David est Dieu Goliath parce qu'il avait la connaissance de la parole de Dieu. David est Dieu Goliath, fait de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a élevé Dieu. Oh, il ne peut pas élever Dieu qui n'a pas la connaissance de sa parole. Celui qui a la parole de Dieu, il est difficile pour cette personne de rater des opportunités. David a su saisir l'opportunité. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'aucun Dieu ne pouvait contre le Dieu d'Israël. Révélation, tu puisses écouter.
te connaît. Non seulement il t'en connaît, mais on veut trouver la solution à la problème. Dieu nous appelle à être des solutions, Père Dieu. Dieu nous appelle à manifester sa gloire. Dieu nous appelle à être des témoignages vivants. Dieu nous appelle, Père Dieu, à être des témoins vivants, Père Dieu. Tu ne peux pas manifester sa gloire si tu ne respectes pas la parole de Dieu. Tu ne peux pas être un témoignage pour Dieu, Père Dieu, si on ne lit pas la parole au travers de ton comportement. Tu as trop pleuré, ses frères. Mais il est temps que tu arrêtes de pleurer, Père Dieu. Faut te concentrer sur la parole de Dieu. Tu as trop prié. Il est temps que tu médites la parole de Dieu. Il est temps que tu t'attaches à la doctrine de Dieu. Qu'est-ce que la parole dit? Parce que même la bénédiction a ses principes. Si tu ne respectes pas les principes de la bénédiction, tu ne peux pas avoir la bénédiction. Mais tu ne peux pas respecter quelque chose si tu n'as pas la connaissance de la chose. On obéit à la loi parce qu'on a la connaissance de la loi. On obéit aux règles parce qu'on a la connaissance des règles. La seule chose que Dieu vous demande, c'est de méditer sa parole. Les solutions à ton problème, ce n'est pas dans la bouche de quelqu'un, mais c'est tout dans la parole. Il y a un homme qui a dit ceci. Il dit, je n'ai plus besoin d'aller voir Dieu pour prophétiser ma vie. Parce que la prophétie que j'attends, c'est tout dans la parole de Dieu. La seule chose à ton problème de Dieu, ce n'est pas dans la bouche de l'homme de Dieu, mais c'est dans la parole de Dieu. Dieu a déjà tout révélé. La Bible est la pensée de Dieu, c'est la mémoire de Dieu. C'est quand tu vis, la solution, c'est tout dans la parole de Dieu. La gloire que tu attends, Père de Dieu, c'est en méditant la parole de Dieu. Ce matin, je vais demander un enfant de Dieu. Je vais encourager un enfant de Dieu à s'attacher à la parole de Dieu. Je vais t'appeler ce matin, Père de Dieu. Il ne sera qu'un seul verset par jour. Ça te fera du bien. Même si tu peux lire un chapitre, pour le lire, ça te fera du bien. Parce que par jour, si tu passes 3 minutes dans le Facebook, ce n'est pas 10 minutes, tu ne peux pas passer avec ta tête, méditer la parole de Dieu. Il est bien de t'informer, mais il est encore plus meilleur de s'attacher à la parole de Dieu. Parce que la meilleure information, c'est la parole de Dieu, Père de Dieu. L'information sur les réseaux sociaux, ça ne peut pas t'amener à quelque part. Mais la connaissance de la parole de Dieu peut t'amener à gravir les échelons, Père de Dieu. La parole de Dieu peut t'amener à atteindre le sommet. La parole de Dieu, Père de Dieu, te donne la sagesse. La connaissance que tu cherches, ce n'est nulle part que dans la parole de Dieu. J'ai vu des personnes qui n'ont pas allé à l'école. Mais quand ces personnes te prêchent la parole de Dieu, Père de Dieu, tu es merveilleux. J'ai vu des intellectuels, Père de Dieu, des fonctionnaires qui ne sont pas intelligents dans la vie active. Mais j'ai vu des chrétiens être intelligents, être grands entrepreneurs. Mais qui les donne intelligents? C'est la connaissance de la parole de Dieu. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour pouvoir avancer. Nos frères d'à côté, Père de Dieu, ont toutes sortes de secrets. Mais tout dit ces secrets, c'est dans la parole de Dieu, au travers des faux du tout. Ton collègue ne marche pas, la solution, c'est dans la parole de Dieu. Ton mari ne reste pas à la maison, la solution, c'est dans la parole de Dieu. Ta femme ne te respecte pas, la solution, c'est dans la parole de Dieu. Donne-lui la parole de Dieu, Père de Dieu. Tu vas voir qu'elle va commencer à avoir peur. Tu vas pas les faire peur, c'est important. Mais si tu ne connais pas, tu vas lui monter la voix. Tu vois ton fils dans la vie dans les désordres. Pourtant, tu n'es pas là, tu ne connais pas la Bible. Chaque matin, tu dis petit, viens passer à l'église. Enfant, viens passer à l'église. Mais tu lui dis pas à l'église, ça donne quoi? Et puis lui-même, là, depuis tu vas à l'église, là, il ne voit rien. Parce que tu vois, c'est ça. Il y a 20.
tu es chrétien, lui, on voit rien. Lui, il n'est pas chrétien, il avance, il évolue. Et puis toi, tu viens vers lui, frère, allons à l'église. Entre nous, tu ne l'aimes pas. Quand tu aimes une personne là, tu ne l'amènes pas où il y a la souffrance. Mais tu l'amènes où il y a la victoire. Mais lorsque la parole de Dieu, vit au travers de ta personne, lorsque la parole de Dieu vient de Dieu, on la constate par ta vie, tu n'es pas obligé de dire au frère, si on va partir à l'église. Un matin, il va te demander, voisin, pour toi-même là, c'est comment? Qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Et puis ça va chez toi. C'est à ce moment que tu vas lui dire, mon secret, c'est dans la parole de Dieu. Mon secret, c'est que je suis chrétien, c'est que je vais à l'église, c'est que j'attends Dieu. Mais tu ne veux pas le dire cela, parce que la parole ne se manifeste pas en toi. Tu attends de témoigner, tu ne veux pas témoigner si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. Parce que c'est que tu dois savoir, peuple de Dieu, c'est que Dieu ne nous bénit pas. Pourquoi nous mourons? Il ne nous bénit pas pour que nous puissions souffrir, non. Dieu nous bénit pour être un témoignage vivant. Dieu nous donne une bénédiction qui n'est venue d'aucun chagrin. Donc si Dieu te donne des milliards, tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. C'est-à-dire que le plus petit des sorciers de ta famille peut t'attaquer et puis t'ôter la vie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait de la parole de Dieu un bouclier de toi. Tu n'as pas la connaissance des arts spirituels. Tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, peuple de Dieu. Il est important de chercher à avoir la connaissance de la parole de Dieu. Il est important de méditer la parole de Dieu, enfant de Dieu. Il est important de quitter l'état du lait pour arriver à l'état de la nourriture. Et de la nourriture solide. Et ensuite du miel, peuple de Dieu. Parce qu'il est temps. On voit cette gloire qui est sortie. Cette gloire qui est sortie, Père de Dieu. Il est temps que cette gloire se révèle. Il est temps que l'étoile, Père de Dieu, qui est assomplie, puisse prier maintenant. Il est temps que tu sois un témoignage vivant maintenant. Il est temps que tu manifestes la vie de Dieu. Il est temps pour toi, Père de Dieu, que par ta vie, que ta famille puisse être gagnée. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Que la chrétienne et ainsi de suite, ainsi de suite. Selon le bon vouloir de Dieu. Ce matin, tu vas mettre ta main dans ta poitrine. Et tu vas parler à Dieu ce matin. Tu vas dire à Dieu de te donner la force de pouvoir méditer ta parole. Tu vas dire à Dieu qu'il est temps que tu quittes l'état des enfants. Il est temps que tu quittes l'état de la nourriture. Il est temps que tu quittes l'état de la nourriture solide. Il est temps d'avoir accès au miel de Dieu. Parle à ton Dieu maintenant, Père de Dieu. Tu vas dire à Dieu que tu ne peux pas le faire de toi-même. Mais la seule personne qui a la capacité de t'amener à le faire, c'est le Saint-Esprit. Souvent, Père de Dieu, tu as envie de méditer. Mais lorsque tu ouvres la Bible, tu commences à dormir. Lorsque tu ouvres la Bible, c'est maintenant qu'on t'appelle. Dis à Dieu de te faire toujours à ta faveur. Pour que ta parole puisse t'aider à toi. Pour que ta parole puisse t'enraciner à toi. Pour que tu puisses grandir maintenant au travers de ta parole. Parle à Dieu, Père de Dieu. Dis que tu dois avoir la connaissance de ta parole. Tu dois avoir le zèle de te nourrir de ta parole. Parle à ton Dieu, Père de Dieu. Parle à Dieu, Dieu, je t'ai pris de venir te donner la force pour méditer la parole de Dieu, Père de Dieu. Regarde le Saint-Esprit dans ta vie, Père de Dieu. Parle-lui sincèrement. Je ne t'attends pas de prier ce matin, Père de Dieu. Élève la voix et parle à ton Dieu maintenant. Élève la voix, Père de Dieu, et parle à ton Dieu. Dis-lui qu'il est normal que tu grandisses maintenant. Tu n'es pas né pour être au même niveau. Tu n'es pas né pour être dans la même situation. Mais tu es né.
Au nom de Jésus,
Ce matin, je déclare tout esprit qui m'empêche de méditer la parole de Dieu par l'autorité du Saint-Esprit. Je donne cet esprit pour libérer ma vie, Allez, tu pars, allez, pars. Pendant que je bats la main, allez, pars à Dieu. Prie le Seigneur. L'esprit va te libérer. Acclame l'Éternel des armées. Oh. Alléluia. Bien acclame le Seigneur pour la vie de son serviteur. Tu as prêché la parole de Dieu. Sa vie s'est passée pour lui bénir. Acclame le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de Dieu surabonde sur ta vie. Dis à quelqu'un, je suis béni. Alors, regarde ton voisin, dis-lui je suis béni. Dis-lui, voisin, à partir d'aujourd'hui, je veux méditer la parole de Dieu. Amen. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Alléluia. Nous allons passer à une deuxième offrande. Après de tels messages, nous devons s'aimer. Vous dites merci à Dieu. D'aussitôt, il a envoyé son ange pour nous bénir. Alléluia. Prends ton offrande avec moi. Et viens déposer dans la maison de Dieu. Viens rapidement. Prends ton offrande, viens rapidement. Pendant que le musicien nous a un chant, un petit chant de louange. Prends ton offrande, viens déposer rapidement. Viens déposer ton offrande. Aux annonces, je voudrais demander si quelqu'un a un témoignage. Alléluia. Un témoignage. Acclame le Seigneur pour la vie. Ah, du petit frère de notre papa, Joshua. Bien mon frère. Acclame le Seigneur pour sa vie. Acclame le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Alléluia. Un an, je suis pas encore arrivé. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui.